à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui normalement pour te faire la vidéo sur le Machu Picchu, si je vois quelque chose, parce qu'évidemment, le seul jour de tout mon voyage où il pleut et où il y a du brouillard, c'est le jour où j'ai décidé d'aller au Machu Picchu. Wouhou ! Donc là, j'y arrive dans genre 3 minutes, je pense. Je vais te montrer déjà la vue, tu vas comprendre ce que je veux dire. Voilà ! On ne voit rien ! Et encore là, il a arrêté de pleuvoir, parce que tout à l'heure, il pleuvait. Donc, c'était pas génial. J'ai dû m'acheter ce bel anorak, vrai faux anorak Nike du Pérou. Écoute, on va bien voir ce que ça donne. Je suis quand même contente d'être là, mais j'espère quand même qu'on verra un peu quelque chose. Bon, on va dire qu'on voit, mais à moitié, quoi. On voit même pas la montagne en face. On va espérer que ça se découvre un peu. J'y crois pas du tout, hein, mais il faut avoir un peu d'espoir. Bon, ça va, on voit quand même quelque chose. Il recommence à pleuvoir, donc ça c'est moyen. Bref, après on va aller descendre là-bas. Je sais même pas si je vise bien avec mon doigt dans l'écran, mais genre c'est pas grave. On va tout visiter. Bon, faut se l'avouer quand même, les nuages comme ça dans les montagnes, c'est quand même pas mal beau. Et le mieux, c'est que c'est tout dégagé maintenant. Oula, je crois que ça c'est sale. Ah ouais, là on voit mieux. Voilà, maintenant c'est tout dégagé. Franchement, comme ça, moi, ça me va. Je voulais juste pas qu'il y ait genre plein de brouillard sur le Machu Picchu, parce que sinon, t'as un peu la rage d'être venu, quoi. Ça va plus petit sur la photo, je trouve. Je sais pas. Ouais, enfin, peut-être pas plus petit, mais je pensais que ça s'étendait un peu plus loin, tu vois, à la limite plus en longueur. Bon, par contre, on a toujours pas trop vu la montagne à derrière. Hein. Bon, par là, c'est un peu plus flippant, quand même. On voit vraiment rien, là. Mais je trouve que ça donne un petit côté mystérieux. Donc ça, c'est cool. Bon, j'ai changé l'angle de la caméra pour que tu vois mieux. Mais je vais repasser en angle normal, je ne sais même pas cet angle. Je vais tenter le selfie la main, mais en écran large, parce que sinon j'ai peur. J'ai trouvé mon lama, mais je vais rester en écran large parce que j'ai peur de pas l'avoir après. Putain, il se barre, shit. Viens me voir. Sonore. Mire. Non, non, non. Viens. Il y a un gars qui m'aide pour le prendre en vidéo. Oh, I think it's... Oh. Est-ce que ça, c'est pas un lama qui vit sa meilleure vie? Coucou. Bah oui. Coucou. Tiens. Tu viens me voir? T'en as rien à foutre. Coucou. Coucou. Donc en fait, cette partie-là où on voit les petits lamas, on peut pas y accéder, elle est interdite au public. Mais de ce côté-là, là, derrière la roche, il y a un espèce de petit sentier auquel on peut accéder. Et où en général, les lamas sont quand même assez près. Ben voilà, elle est ouf. Il y a une petite personne là qui finit ce chemin justement. Et un autre lama juste là qui est à côté de tout le monde. On a vraiment eu de la chance sur le temps, hein, parce que franchement, c'était pas gagné.
Ça doit bien faire 1h30, 2h à peu près. Un peu moins de 2h quand même qu'on visite. Et on n'a pas fini. Là, je suis sur la route en fait qui mène jusqu'à la Puerta del Sol. Apparemment, c'est encore à 1 heure de marche. Donc honnêtement, je ne sais pas si j'irai jusque là. Mais voilà, j'ai quand même envie de continuer de voir le site. Parce qu'en fait, il y a des bâtiments genre de tous les côtés. Tu ne sais plus où donner de la tête. Alors un truc que je voulais dire dans cette vidéo, parce que j'ai peur de l'oublier, c'est que en fait, le biais du Machu Picchu, c'est une entrée simple. Ce qui n'était pas écrit dans mon guide. En fait, moi dans mon guide, bon, qui date d'il y a 2 ans aussi, donc c'est peut-être pour ça, il y a écrit que avec le billet que tu achètes pour le Machu Picchu, tu peux ressortir pour aller déjeuner, acheter de l'eau, aller aux toilettes par exemple, et ensuite re-rentrer. C'est plus le cas en fait. Maintenant, si tu sors, c'est une sortie définitive. Et nous, on n'avait pas compris ça. On était avec un autre couple de Français en train de visiter. Et sans faire exprès, on s'est retrouvé sur le chemin en fait qui menait jusqu'à la sortie. On est repassé au niveau de l'entrée pour aller demander si on pouvait re-rentrer parce que il y a toute une partie du Machu Picchu qu'on n'avait pas visité. On a un peu négocié, finalement on a réussi à rentrer, mais voilà, je pense que c'est quand même un truc à savoir. Parce que bon, à quoi 40 euros le billet, faut pas se louper quoi. On voit un petit bout du Machu Picchu là. D'un peu plus haut. La vue est vraiment impressionnante. Bon, ça commence à se recouvrir, donc on va y aller.